fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Yo, Slime, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour unbox des écouteurs sans fil. Donc on va tester un petit peu ça et je sais pas si ça va fonctionner sur mon PC ou pas. Mais du coup voilà, on va tester ça. Normalement ce sont des écouteurs bien sûr, j'ai pas trop regardé à l'intérieur, j'ai juste ouvert pour voir si c'était ça ou pas. Vas-y, on va le prendre avec une main. Hop, donc ça on en a pas besoin, c'est vide. Ok, alors la petite boîte, hop, on va l'ouvrir. Donc je vais donner un point de vue vraiment neutre. Même si c'est une vidéo sponsorisée, je préfère vous le dire. Mais voilà, ils m'ont envoyé le produit gratuitement. Genre je l'ai pas payé et tout, et du coup ils m'ont dit bah tu le testes. Et puis voilà, alors du coup on a déjà pas mal de choses. Déjà, alors ça m'a impressionné parce que c'est très compact en fait. C'est très compact dans le sens où en mode t'as juste une petite boîte et t'as les écouteurs dedans. Donc c'est très très compact. On a tous ces petits outils là. On va voir, alors ça c'est les embouts, ouais, est-ce que j'ai vu. Ça c'est pour les recharger. Ah oui, bah oui, merde, faut les recharger bien sûr. Et ça, ce sont les écouteurs. Et les mecs, pendant que je suis en vidéo, je compte vous dire aussi que je vais faire beaucoup de vidéos dans le style en mode exploser des trucs et tout, même si ça fait pas trop pro. Même si j'aime bien un petit peu des fois faire des trucs sérieux et tout, j'ai essayé de faire exploser le PC et tout. Donc ouais, je vais faire quelques vidéos un petit peu en mode crash test comme vous aimez, avec des souris en euros et tout. Enfin, je vais faire un petit peu de trucs comme ça, mais je reprendrai quand même sérieusement des vidéos assez sérieuses, on va dire. Donc voilà, il y a pas de souci à ça. Alors déjà, ça c'est aimanté. Donc ok. Non, c'est pratique en vrai, c'est pratique. C'est pratique comme ça, moi c'était sûr que genre tu peux le mettre autour de ton cou et tout quand tu fais du sport et tout. Et ouais, c'est pratique en vrai. Donc il y avait un petit autocollant à enlever. Il y en avait même deux. Donc ça fait pareil sur mes écouteurs Samsung que j'utilise actuellement. Et en fait, si vous voulez, il y a des trucs sur les bords. En tout cas, voilà, ça c'est pour que ça tienne mieux. Mais je vous avoue, au début ça fait un petit peu peur. Tu sais, t'as le truc là qui ressort, tu te dis putain, what the fuck. Mais non, au final, non. Donc ça c'est, je trouve que c'est un peu en mode, c'est facile à comprendre en mode t'as 3 boutons, t'as pas 5 boutons un petit peu un peu sensibles et tout, t'as 3 boutons et je pense que c'est vraiment genre plus homogène un petit peu et tu peux réellement régler ton truc rapidement. Mais je suppose, je suis pas sûr, on va ouvrir ça aussi et on va le brancher tout simplement parce que je pense pas qu'il soit rechargé. Ça c'est vraiment le bémol de plein de produits qu'on achète, ils sont pas chargés et tout et du coup bah... Ça fait un petit peu chier parce que t'as envie de le tester tout de suite. Ok, donc là t'as plusieurs embouts. Est-ce que je vois? Ok, c'est des trucs de rechange. Ok, donc si t'as un crasseux, moi c'est pas mon cas. Mais voilà, t'as ça aussi, t'as la petite pochette. Ça c'est en mode, je vous montre un petit peu. Enfin bref, voilà, vous pouvez m'arranger ici. La petite carte de visite ici. Voilà, et la notice. Mais ça je pense qu'on aura pas besoin. Mais vu que c'est pas un produit que j'ai l'habitude de fréquenter, tu vois, ça se peut que j'utilise la notice. Alors ensuite, je crois que je parle un peu trop fort, merde. Ok, parfait. Donc comment tu le branches même? Parce que j'ai vu un truc USB, mais frère, je comprends pas, tu le branches où? Ok, donc ouais, voilà. Donc en fait, il y a un petit cache. Et tu peux mettre ça du bon sens, bien sûr. Et le brancher. Voilà, c'est branché. Merde. Hop. Donc voilà, je le laisse un petit peu charger, puis on va voir ce que ça donne. Après, pour le test, je pourrais pas trop, je pense, le faire, je sais pas, je vais voir. Mais si c'est sur PC, tu vois, il y a des chances que je ne puisse pas le faire. Dans l'ensemble, bah voilà, ce sont des écouteurs, je peux pas non plus faire une review de malade et tout. Mais on va voir un petit peu, je vais tester ça, je vais mettre de la musique et tout. Je vais dire si c'est bien, genre en mode, si tu t'entends bien la musique et tout. Si ça accroche bien aussi, si par exemple tu cours et tout, parce que j'ai vu que leur truc, en fait, leur avantage, eux, leur bénéfice, en fait, c'est en mode faire du sport avec des écouteurs. Du coup, bah, je sais que c'est ultra chiant quand par exemple tu cours ou quoi et que ça tombe tout le temps. Donc là tu pourras réellement, je pense, enfin c'est ce qu'ils disent, courir avec des écouteurs ou des trucs comme ça. Et c'est ça leur bénéfice un petit peu. Et leur bénéfice aussi c'est que bah c'est encore plus pratique vu que c'est Bluetooth. Et bah c'est aimanté, donc pour je sais pas, si tu veux pas les mettre, bah, tu peux les coller et les mettre autour de ton cou. Donc c'est ça un petit peu leur bénéfice. Et bah on va voir un petit peu si ils sont vrais ou pas. En tout cas voilà, je laisse un petit peu charger, puis on se retrouve à tout de suite pour tout simplement tester les écouteurs. Ok, donc je pense que ça a chargé, je suis vite fait dehors. Et on va voir si ça a chargé ou pas. On débranche. Alors, ça se présente comme ça quand on branche en fait. Et t'as un cache en mode waterproof. Moi je testerai pas, tu vois, mais en mode pour bien fermer. Voilà, c'est ici. Et bref, du coup bah on a ça. Ça faudrait peut-être l'enlever parce que c'est pas esthétique la petite étiquette. Faudrait voir, j'ai pas mon couteau CSGO, mais voilà, c'est pas trop esthétique. J'enlèverai, mais ça c'est un petit détail. Je prends mon téléphone. Ok, donc là j'ai allumé, ça clignote. Ça se trouve ça veut dire qu'ils vont, qu'ils sont pas bien du tout, qu'ils ont besoin de charge, mais c'est pas grave, on va voir. Je sais pas du tout ce que ça représente. Je suis en train de rechercher avec mon téléphone. Hop. Donc les écouteurs s'appellent Taotronic, donc je connaissais pas. Ok. Connecté pour appel et médias. Ok. Donc, je vais tester ça. Vous inquiétez pas, je suis un mec propre. Ok, droite, terminé. Oh, j'ai l'impression, je crois qu'il y a des bases de ouf. Rien qu'entendre comme ça. Attendez, je vais mettre de la musique.
Ok, alors en fait, ouais, en fait, c'est un truc de ouf. Quand vous mettez les écouteurs, vous avez l'impression, genre, d'être Jules. Enfin, je sais pas comment dire. Vous savez, les studios, un petit peu, où est-ce qu'il y a des basses et tout, genre en mode. Ah, je sais plus quel studio et tout, genre en mode. À la radio là. Où est-ce qu'il y a des basses de ouf et tout. En fait, quand vous parlez, j'ai l'impression qu'il y a masse basse et tout. Et du coup, bah, ça le fait. Ensuite, deuxième point, c'est qu'on peut régler. Au début, je me suis dit, vas-y, il n'y a pas de son, c'est quoi ça? Mais au final, non, c'est juste ici, en fait, vous pouvez le régler. Au-delà du téléphone, en fait, vous pouvez le régler. Et je vais aller dehors, je vais tester un petit peu ça. Et on va voir si bah, c'est efficace ou pas. Le bois en plastique qu'on met dans les oreilles, en fait, je trouve il est un petit peu gros par rapport. Bah, en fait, c'est parce que je me suis habitué à ceux-là, en fait. C'est le même principe, je me suis habitué à ceux-là, ce qu'on a avec le Samsung S8 quand on l'achète. Et du coup, ça fait que je me suis habitué à ceux-là. Et ceux-là, ils sont un petit peu plus gros. Et en fait, ils tiennent mieux, je trouve. Enfin, après, ça dépend. Ça dépend de quel point de vue on le prend, mais je trouve que cela, quand même, il. Enfin, genre en mode t'entendrais moins les gens à côté, quoi. Et moi, sachez que j'aime bien entendre s'il y a des gens qui arrivent dans ma chambre ou quoi. Donc, du coup, ce que je fais, des fois, en fait, ouais, je me suis habitué pendant un mois, j'ai joué avec un écouteur parce que j'avais arraché l'autre. Enfin, bref, grosse galère. Et du coup, je jouais tout le temps avec un écouteur et je me suis habitué. Et du coup, en fait, comme ça, j'entendais bien et si je devais mute ou pas, s'il y a des gens qui arrivent. Et du coup, bah voilà, on va tester ça dehors. Je pense dehors en mode comme si on va faire une game et tout. Mais, genre, du coup, ouais, on va tester. Après, la longueur du fil, ça fait un peu comme ça. Je sais pas comment vous montrer trop, mais genre. Voilà, je sais pas si ça vous donne un aperçu, mais en tout cas, c'est. Ça doit faire 1 mètre. Ouais, ça doit faire 1 mètre. Un truc comme ça. Non, peut-être pas quand même. Non. J'en ai aucune idée. Vraiment, j'en ai aucune idée. Mais ça, c'est grand, donc ça va. Du coup, bah, on se retrouve sur téléphone et je vais aller tester un peu dehors. Et puis, on va voir ce que ça donne, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne parce que je compte faire beaucoup de vidéos pendant les vacances. Du coup, là, je vous le disais, c'est aimanté. Dans le sens où hop là c'est aimanté, genre en mode vous l'avez autour du cou et comme ça vous pouvez courir et ça se défera pas, enfin à part si vous secouez comme des malades comme ça, mais ça c'est que si vous vous faites agresser quoi. Mais bref, du coup bah on va tester ça, puis voilà, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve pour tester ça. Ouais, du coup là on a les écouteurs et là j'ai l'impression qu'il y a une putain de basse en fait. Du coup en fait il y a ça, donc je pense que ça faudrait le mettre à la limite comme ça, tu vois. Et là à partir de ce moment-là, tu vois, ça devrait, enfin ça serait bien esthétiquement on va dire. Oh, je sais pas, tu vois, genre en mode, je sais pas, en fait, il y a même l'étiquette là que j'ai dit là. Du coup, l'étiquette, je trouve, enfin, faudrait la couper, tu vois. Et ça, faudrait trouver où est-ce qu'on le met et tout. Parce que, genre, je sais pas du tout comment on met ça, moi. Je suis comme ça. Mais bref, en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a des basses de ouf. Je vais mettre de la musique, je sais pas, je vais voir ça. Ouais, je peux mettre de la musique. Ok, donc là, j'ai de la musique et genre, j'entends plus rien à côté, je m'entends même plus parler. En fait, là, je m'entends plus parler et bah, j'entends plus rien à côté en fait. Attendez, ok, je vais retirer un écouteur. Alors du coup, là ça fait qu'il y a un truc qui pend. Bref, résumé sur les écouteurs, c'est que bah ils sont vraiment pas mal. Franchement, quand tu fais discret, quand tu fais du sport dehors et tout, genre t'es en ville ou je sais pas, genre ça peut être super cool. Et moi je sais que j'en fais chez moi et genre on va dire qu'il y a de la place quoi. Donc je sais pas, genre tu vois, je vais dehors et après je m'en bats les couilles après, tu vois. Et si vous voulez faire du sport sans qu'on juge votre musique ou un truc comme ça ou je sais pas, tu vois, genre tu veux mettre du Scarlord et du coup, mais tu trouves ça fait chelou, et bah tu peux prendre ça. En tout cas, voilà, bah j'en ai fini avec ces écouteurs. Donc en fait, je viens de remarquer que quand vous les tenez comme ça, en fait, ils se recollent automatiquement, pardon, et c'est assez pratique, tu vois. Donc là, on va tester. Hop. Et normalement, si tu les tiens à la bonne hauteur, tu vois, genre, t'as beaucoup de chance. Voilà, tu vois, t'as de la chance qui se colle tout simplement à deux. Et du coup, voilà, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir un petit peu les produits. En tout cas, moi, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais de gros bisous. C'était GX. On m'appelle VALD. Rap de merde, j'ai allaité. Je crois que je vais jamais arrêter. Je coupe la plaquette à l'épée. Plein de filtres, plein d'effets. T'as pas de rime, pas de tête.